j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes favoris. Je suis désolée, franchement, j'ai une tête et une coupe, mais il faut absolument que je tourne une vidéo. Je n'ai plus le choix, je suis déjà très en retard sur mon petit planning que je ne respecte plus du tout. Et en fait, depuis ce matin, j'ai une grosse crise d'allergie. En gros, j'ai les yeux qui me grattent, j'ai le nez qui me gratte, j'arrête pas d'éternuer. Donc on croise les doigts que cette vidéo se passe bien. Mais aujourd'hui, on se retrouve de base. Je devais vous tourner une autre vidéo, mais je n'ai toujours pas reçu ce que j'avais besoin. Donc du coup, on va tourner celle-ci. On va parler de mes favoris de ces derniers temps. Franchement, il n'y a pas grand chose. J'ai pas grand chose à vous présenter parce que j'utilise forcément à peu près les mêmes produits à chaque fois. Bon, il y a quelques nouveautés que j'ai commencé à tester et que j'adore. Et c'est de ça que je vais vous parler. Il y a pas mal de bouffe. Enfin, bouffe, boisson et tout, et ainsi de suite. Donc on va commencer déjà par tout ce qui est maquillage. Il n'y a pas grand chose, je voulais vous parler du coup de la palette Plush, mais je me suis rendu compte qu'au mois de janvier et février je vous avais fait mes favoris et je vous l'avais mis dedans déjà, donc voilà pour vous dire à quel point je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise tout le temps, je me maquille tout le temps avec, donc je vais pas vous en reparler. Je vous ai même fait une RST dessus, j'étais hyper choquée de la pigmentation de cette palette. C'est un truc de ouf, franchement la coupe ça ne va pas du tout, je me lisse même plus les cheveux. Bref, on va commencer par parler de la Super Bébé de chez Herborian. C'est la nouvelle bébé crème qu'ils ont sorti, petit moment déjà, enfin ça fait pas non plus des années, mais quand même. En gros, ils ont sorti cette Super Bébé au ginseng, donc c'est une crème soin couvrante, anti-imperfection avec un SPF 20, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Cette fois-ci je l'ai pris en teinte nude il me semble, ouais c'est ça, en teinte nude, parce que je vous ai dit déjà que j'avais la bébé crème au ginseng et la CC Water mais en doré, et ça commence à être un peu foncé pour moi, alors que celle-ci franchement on voit même pas la différence, je l'adore, et elle est quand même couvrante. Donc vous l'avez en plusieurs teintes, celle-ci. Si, franchement c'est trop bien. Normalement il y a trois teintes, là vous avez la claire, vous avez du coup la nude, celle que j'ai, vous avez la dorée, vous avez aussi la caramel et vous avez la chocolat. Donc ça c'est génial, franchement ils se sont un peu élargis au niveau des teintes et ça je trouve ça trop bien. Donc en fait celle-ci elle est beaucoup plus couvrante. L'expertise bébé crème mi-teint mi-soin boostée pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière, révéler votre peau de bébé sans effet masque grâce à cette nouvelle bébé crème couvrante côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale. Super Bébé camoufle même les imperfections, les rougeurs et les taches pigmentaires. Donc ça c'est vraiment vrai parce que j'ai pas mal de rougeurs, comme je vous ai dit j'ai une crise d'éternuement depuis ce matin et franchement j'ai le nez tout rouge et je me suis maquillée avec la Super Bébé, je n'ai plus rien, donc franchement ça camoufle pas mal. C'est pas aussi pigmenté qu'un fond de teint, sachez-le, mais c'est beaucoup plus pigmenté que la bébé crème originale de chez Herborian. Grâce à sa texture légère et confortable, cette bébé crème couvrante laisse un fini satiné naturel et un teint parfaitement unifié. Côté soin, ce soin anti-imperfection Super Bébé combine deux super ingrédients coréens, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée, dans une formule qui relève instantanément une peau plus lisse et plus hydratée afin de réduire visiblement vos imperfections, boutons, pores, points noirs, etc. Un puissant actif, le niacinamide, agit au cœur de la formule pour une peau plus nette. Grâce à Super Bébé, prenez soin de votre peau sans la cacher, vos imperfections sont camouflées, diminuées pour un effet peau de bébé, donc testée dermatologiquement et non comédogène. Elle existe deux formats différents. Celle-ci c'est la 40 ml, elle est au prix de 39,90€, et la 15 ml elle est au prix de 18,90€. Donc franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai déjà dit, j'adore Herborian. Honnêtement j'ai juste utilisé tout ce qui est bébé crème, CC crème, j'ai pas utilisé autre chose. J'ai vraiment envie de me cibler sur les soins, vraiment les tester, que ça soit leur sérum qui me donne tellement envie, ils sont tellement jolis. Mais si vous cherchez quelque chose qui couvre un peu votre peau mais pas non plus ce côté très couvrant du fond de teint, si vous êtes vraiment entre les deux, que vous voulez quelque chose pour unifier votre peau, l'hydrater, en prendre soin, mais aussi montrer ce petit côté frais de la peau, n'hésitez pas à aller tester la Super Bébé. Franchement elle est trop bien, et ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez prendre le petit format, vraiment tester. Moi honnêtement je l'ai pris parce que je sais à quel point j'adore leurs produits, c'est vraiment un truc de malade, je sais qu'ils sont géniaux. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est bien d'avoir toujours une taille en dessous, comme ça vous pouvez toujours tester, voir si vous appréciez ou pas. Donc foncez. Pour continuer dans tout ce qui est produit maquillage, je vais vous parler du bronzer de Physicienne Formula, le Butter Bronzer, que j'aime trop. Je pense qu'on peut le constater là. Franchement, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas le trou. En l'espace de peut-être un mois, je l'ai creusé de ouf. Mais vraiment, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce bronzer. C'est vraiment un truc de malade. Je vous le dis à chaque fois, je suis une grande fanatique de bronzer. Vraiment, c'est un de mes trucs préférés avec les palettes et les mascaras. Mais vraiment, j'en ai plein, j'en utilise plein. J'aime vraiment beaucoup, mais j'aime trop aimer celui de chez Too Faced.
et je cherchais vraiment un truc un peu similaire. Alors honnêtement ça n'a rien à voir parce que l'autre c'était vraiment une texture crème. Celui-ci c'est une poudre mais un peu façon beurre, on dirait vraiment un beurre. Ça s'estompe super facilement, c'est super agréable sur la peau, c'est une super jolie teinte. J'ai la teinte bronzer, donc c'est la première teinte il me semble. Elle est au prix de 15€ chez Nocibé. Franchement peut-être que je la commanderai chez Nocibé la prochaine fois. Et du coup non testée sur les animaux, hypoallergénique, vegan et testée sous contrôle clinique et dermatologique. Donc franchement ça c'est génial, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. En gros elle se présente comme ceci, je vous l'ai déjà dit, le packaging je suis pas très fan, en plus je l'ai pété et tout, mais vous avez un miroir ici, vous avez cette espèce d'éponge, pinceau éponge. Franchement je suis pas fan du tout, je comprends pas trop le concept. Peut-être que c'est un truc de ouf, c'est hyper révolutionnaire, mais je sais pas, moi honnêtement j'aime pas. Mais en tout cas voilà, elle se présente comme ceci, les couleurs sont super jolies. Normalement il n'y a pas de parfum dedans, mais je trouve qu'il y a une odeur et ça sent super bon, ça sent les vacances, le soleil et tout. Ensuite on va parler de tout ce qui est soin. Là par contre dans les soins j'ai pas mal de choses à vous montrer. Commencer par ce gel moussant de SVR, franchement que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Sebia Clear. Donc c'est un gel moussant nettoyant sans savon, purifiant et désincrustant pour peau grasse et sensible, testé sur des peaux à tendance acnéique. Franchement je l'ai pris parce que forcément en été on transpire beaucoup plus et j'ai la peau beaucoup plus grasse en été, donc franchement je l'ai pris et je vous jure que depuis que je l'utilise, bah ma peau a vraiment tendance à être un peu moins grasse, enfin elle graisse pas aussi vite que ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre, elle descend hyper lentement, je vous jure que je me nettoie tous les soirs la peau avec, ça fait à peu près un mois et elle ne descend pas parce qu'en fait vraiment il vous suffit d'une toute petite pompe, il n'y a pas besoin non plus d'un truc de ouf, une pompe ça mousse de ouf, vous nettoyez votre peau, c'est super bien, c'est hyper doux pour la peau, c'est hyper agréable, il n'y a pas d'odeur, ça se voit que c'est vraiment un truc très clean, vous voyez c'est fait en laboratoire et tout. Elle est au prix de 7,90€, donc franchement pour 400ml il me semble, ouais c'est ça, 400ml. Donc il y a écrit ce gel moussant c'est bien clean du laboratoire SVR est un nettoyant sans savon pour les peaux grasses et sensibles. En effet, il va purifier la peau et désincruster toutes les impuretés de la peau, du visage et du corps sans l'agresser. Parce que oui, vous pouvez l'utiliser aussi pour le corps. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Moi, je l'utilise vraiment que pour le visage. Ainsi, l'excès de sébum sera éliminé. Sa mousse onctueuse permet une utilisation quotidienne agréable. La peau est plus nette et plus fraîche. Testée sur peau à tendance acnéique. Pour peau grasse et sensible, visage et corps. Et franchement, j'ai vu que des bons avis et tout, même plein de dermatos que je suis et tout sur les réseaux. Conseil d'utiliser ce gel moussant. Et comme je vous ai dit, moi vraiment en été, j'ai tendance à avoir la peau beaucoup plus grasse, à avoir beaucoup plus de boutons, bah, à cause de la chaleur et tout, forcément. Ce qui est logique, et je vous jure que depuis que je l'utilise, bah, j'ai beaucoup moins cet effet gras au niveau de la zone T, j'ai beaucoup moins d'imperfections et tout. Ça nettoie vraiment bien, c'est hyper doux, c'est hyper agréable. Donc franchement, si vous avez tendance à avoir la peau acnéique et que vous avez la peau grasse ou sensible, parce que moi j'ai la peau hyper sensible, j'ai la peau sèche et sensible, mais grasse au niveau d'ici en été, bah franchement n'hésitez pas à tester. Vous pouvez le retrouver en grande surface ou en parapharmacie me semble. Je l'ai trouvé chez Monoprix, donc après à voir. Mais dans tous les cas je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ne négligez pas cette barre d'infos. Je vous mets tous les liens toujours à chaque fois. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous. Et j'essaye de toujours trouver le moins cher. N'hésitez pas à aller regarder directement dans la barre d'infos. Ensuite je voulais vous parler de cette beauté, de cette merveille que j'aime tout particulièrement. C'est le Wishful. C'est le gommage Wiglow aux enzymes. C'est un exfoliant physique, chimique et aux enzymes 3 en 1 à base de AHA et de PHA qui lisse, illumine et unifie le teint en douceur pour une peau douce comme celle d'un bébé. Donc franchement je l'adore, c'est non abrasif et non desséchant pour la peau. Cette formule légère élimine les cellules mortes pour affiner et améliorer le grain de peau en une seule étape. Donc en fait c'est à base d'enzymes de papaye et d'ananas. Il va éliminer les cellules mortes et les impuretés pour une peau beaucoup plus radieuse, beaucoup plus lisse, beaucoup plus nette, une peau propre qui ne tiraille pas vraiment, ça va pas venir assécher la peau, ça va pas venir l'agresser. Et pourtant comme je vous dis, moi j'ai une peau très sensible et celui-ci c'est vraiment un truc genre, je sais pas comment vous expliquer, la texture est vraiment bizarre, genre attendez je vais essayer de vous montrer. En fait il se présente comme ceci. Et quand vous allez commencer à genre à le frotter, en fait ça va venir genre faire des vous voyez des petites particules. Et en fait c'est ça qui va venir exfolier la peau en douceur, ça va pas venir l'agresser.
Le parfum, c'est vraiment un truc de ouf. Genre, tellement ça sent bon. Et vous voyez, genre, c'est... c'est vraiment dégueulasse, mais c'est ça en fait qui va venir nettoyer votre peau, l'exfolier et tout. Et en fait, ça va vraiment venir ramener un glow et une douceur au niveau de la peau. C'est un truc de ouf. Je l'aime vraiment beaucoup ce gommage. Moi, je vous dis la vérité, les gommages avec les gros grains et tout, et à base de fruits à coque, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. C'est hyper abrasif pour la peau. Et franchement, celui-ci, moi, je l'adore. C'est celui que j'utilise tout le temps. Il est vraiment génialissime. Vous le voyez que mes yeux commencent à pleurer. C'est le gommage aux enzymes de Wishful, de la marque de Huda Beauty. Donc franchement, je l'aime trop, trop, trop. Et vous l'avez en deux formats différents. Vous avez soit le 100 ml, c'est celui que j'ai, qui est au prix de 39,99€, soit vous avez celui à 200 ml qui a 64€. Franchement, c'est pas donné, mais ils sont juste géniaux. Pour continuer à parler du coup de gommage, je vais vous parler de celui de chez Evolve. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment, je crois, un des seuls gommages que je continue à utiliser. Il se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, ça a vraiment une texture de sucre, genre... je sais pas si je peux vous montrer. Si vous allez le voir, c'est vraiment une texture genre de sucre qui va venir vraiment gommer la peau. Genre, je pense que vous allez le voir. Il a comme des... enfin, c'est pas comme, c'est vraiment du sucre, quoi. Genre, c'est hyper agréable pour la peau. Genre, vraiment, ça va laisser une douceur à la peau. C'est incroyable. Et en gros, celui-ci, c'est le Tropical Blossom Body Polish que j'aime particulièrement, vraiment. Il y a une odeur de bubblegum, mais tellement agréable. Franchement, ça, sous la douche, là, mouah. Et en fait, ça vous laisse comme un effet laiteux. En fait, plus vous allez machiner, en fait, en contact avec l'eau, ça va vous donner vraiment un espèce de truc laiteux sur la peau, qui va laisser un côté vraiment lisse, vraiment hydraté. Je sais pas comment vous expliquer, et pourtant, je suis pas du tout gommage pour le corps. Ceux qui me connaissent, vous savez, et pourtant, j'ai plein de problèmes de peau. J'ai la peau hyper sèche, donc je devrais me gommer la peau souvent. Mais vous voyez, celui-ci, franchement, je l'utilise, je n'ai jamais eu de réaction, je n'ai jamais eu des démangeaisons après. Franchement, il est juste génialissime. Donc c'est de la marque Evolve Beauty, donc c'est un beurre corporel aux fleurs tropicales. Moi, j'ai celui de 180 ml, mais celui de 120 ml, il est à 21,41€ chez Philunique. Et en gros, il y a écrit: Evolve Beauty beurre corporel aux fleurs tropicales contient du beurre de karité biologique nourrissant et du monoeil naturel de noix de coco de Tahiti macéré dans des fleurs exotiques de gardenia, laisse la peau lisse, douce et parfumée d'hibiscus naturel exotique. Ingrédient clé: le manoï tahitien, considéré comme l'huile sacrée des Polynésiens, est obtenu par macération de milliards de fleurs de tamaria dans l'huile de noix de coco. Il a des propriétés réparatrice et antioxydante, il laisse la peau hydratée, douce et souple. Le beurre de karité, le super aliment de la peau, extrait des noix du karité, est une aide immédiate pour les peaux sèches. C'est un hydratant puissant qui a des propriétés cicatrisantes aux raisons de sa richesse en graisse insaturée, en acides gras essentiels, en vitamine E et D et provitamine A. Formulé pour tout type de peau, 100% naturel et 92,82% bio. Donc franchement, c'est vraiment un truc de ouf comment il est bien. Je vous dis, genre, déjà le packaging, vous voyez, il est vraiment hyper sobre, hyper joli. Genre, ça se voit que c'est pas un truc où, voilà, ils misent tout sur le packaging, il faut payer la marque et tout. Franchement, je pense que là, enfin c'est pas je pense, c'est vraiment là on paye le produit. Il est vraiment génialissime. Ils sont super bons, super agréables. Et je vous dis, j'ai la peau vraiment très sèche. Je fais de l'eczéma et tout, et je l'utilise à chaque fois partout et il ne me fait aucune réaction. Je n'ai aucun problème. Donc franchement, n'hésitez pas à le tester. On va passer aux cheveux. Et je voulais vous parler de ça. Je ne connaissais pas du tout. C'est ma voisine qui me l'a donné il y a quelques semaines déjà maintenant. Et comment vous dire, franchement, ce produit, c'est un truc miracle. Franchement, moi j'ai les cheveux très longs maintenant, vous le savez. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur mes cheveux. Je vous ai demandé sur Insta, vous avez été 100% à me dire oui, que vous voulez une vidéo par rapport à mes cheveux, à mon évolution capillaire. Et franchement, je vais en parler de ce produit parce qu'il est juste génialissime. Alors c'est de la marque Davine ou Davins, je ne sais pas du tout. C'est le Oil All In On Milk. On va y arriver. Avec de l'huile de roucou. C'est un traitement de beauté multi-bénéfice, pardon, pour tout type de cheveux. Et franchement, je l'ai, elle me l'a donné, je venais à peine de sortir de la douche, donc je me suis dit, bah vas-y, on va tester. Je l'ai mis sur mes cheveux et tout. Déjà, l'odeur,
comme ça. Elles sont super bonnes. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais... Franchement, moi, j'utilise toujours le sérum de chez Herbert. Et franchement, j'ai pas beaucoup de produits pour les cheveux parce que je me dis plus j'en mets, pire c'est. Donc, j'évite vraiment de mettre trop de trucs dans mes cheveux. Et là, franchement, j'ai testé ça, mais c'est un truc de ouf. Alors déjà, je l'ai mis. Ça sentait super bon, comme je vous ai dit. J'ai eu beaucoup moins de mal à me coiffer, bizarrement. Même si là, ça va beaucoup mieux. Je vais vous en parler juste après parce que j'ai une nouvelle brosse à cheveux. Mais franchement, j'ai eu beaucoup moins de mal à me coiffer les cheveux. Et je me suis dit, oh, trop bien et tout. J'ai l'impression qu'il a des trucs démêlants, enfin des pouvoirs démêlants. Et oui, il s'avère que oui. Donc celui-ci, il est au prix de 26,90€. Elle l'a eu dans la box Blissim, sauf qu'elle aimait rien dans ses cheveux. C'est pour ça qu'elle me l'a donné. Donc là, je regarde sur Blissim. Comme je vous ai dit, 26,90€. Le flacon, il est de 135ml. Donc c'est fabriqué en Italie. Et du coup, il y a écrit, ce flacon sobrement chic cache une potion magique pour votre chevelure. Démêlant, ce soin multifonction apporte de l'éclat tout en laissant vos cheveux soyeux. Il soigne même les longueurs au passage. Résultat, une crinière de rêve sans prise de tête. En gros, conseil d'utilisation, après avoir réalisé votre shampoing, on essore les cheveux avec une serviette, puis on vaporise 10 à 15 pchits sur les racines et les pointes. On ne rince pas, on peut même froisser ses cheveux pour un côté wavy. Les ingrédients actifs, c'est de l'huile de roucou, provitamine B5, hydrate les cheveux en profondeur, complète, amino fonctionnel, apporte une extraordinaire action démêlante, rend le cheveu doux et résistant aux agressions extérieures et les protège contre les dommages causés par la chaleur. Formule sans parabène, donc franchement c'est vraiment un truc de ouf. J'étais vraiment choquée de l'efficacité du produit. La première fois que j'utilise, je me suis dit mais oh, wow, truc de ouf. Redonne de la brillance, apporte de la souplesse et de la douceur, excellent pouvoir démêlant, facilite la coiffure des cheveux sur cheveux secs ou mouillés, discipline les frisottis, puissant pouvoir conditionnant, donne du corps sans alourdir, hydrate le cheveu, facilite la sèche. Ah oui, ça c'est vrai, franchement c'est un truc de ouf. Mes cheveux, je peux passer des heures avant qu'ils sèchent. Bah là franchement ça a séché beaucoup plus rapidement et je me suis fait la réflexion sans même regarder. Mais vraiment ce truc est révolutionnaire, c'est un truc de malade et vraiment l'odeur ça sent super super bon. C'est un truc de ouf, je l'adore ce produit. Et pour les cheveux, je vais vous parler que de ce produit là et juste de ma brosse à cheveux. Ne faites pas attention, il y a toujours des petites conneries dessus, je comprends pas. Pourtant je l'ai nettoyé il y a pas très longtemps à nouveau, mais il y a toujours comme des peluches, genre ça me rend ouf. Bref, cette brosse à cheveux, genre elle est... Alors vous voyez, vraiment, si vous avez les cheveux longs ou courts, mais que vous avez beaucoup de masse et du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds, franchement, n'hésitez pas à acheter cette brosse à cheveux. C'est révolutionnaire. Je l'utilise pour moi et pour Inès parce qu'Inès a les cheveux bouclés et ça reste un enfant. Donc forcément, tout ce qu'elle mange finit aussi dans ses cheveux. Elle alimente ses cheveux en même temps qu'elle. Donc forcément, il y a toujours des nœuds, toujours des trucs et tout. Et franchement, cette brosse à cheveux, c'est un truc de ouf. Alors déjà, moi, je suis quelqu'un, je crains beaucoup des cheveux. J'aime pas trop qu'on me touche les cheveux, qu'on me fasse des coiffures et tout. Laissez mes cheveux tranquilles, vraiment. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on me touche les cheveux, qu'on me les... Voilà, je suis très sensible du cuir chevelu. Franchement, les gars, vraiment, je me suis jamais autant coiffée de ma vie. Je me coiffe les cheveux tous les jours, matin et soir. Dès que je me lève, je me coiffe les cheveux, chose que, bah, qui ont changé dans mes habitudes, mais ça je vais vous en parler dans une vidéo comme je vous ai dit. Mais je me coiffe les cheveux matin et soir avant d'aller me coucher, je me coiffe les cheveux. Et vraiment, je n'ai aucun problème à me les coiffer, c'est hyper rapide, c'est hyper simple, ça ne fait pas mal. Dès qu'il y a un nœud, franchement, je sais pas, vous voyez là, je viens de me les coiffer avant la vidéo, hein, mais vous avez vu, il y avait un nœud, il n'y a plus rien. Ça y est, il n'y a plus rien. C'est un truc de ouf cette brosse. Regardez. Vous voyez ? Il n'y a plus rien. C'est vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est le fait vraiment qu'elle puisse bouger dans tous les sens. Bon, je l'ai acheté sur Amazon. Mais je sais qu'elle se voit un peu partout. Mais moi, je l'ai pris sur Amazon. Je vais vous dire combien je l'ai acheté. Donc celle-ci, c'est la Nina Bella brosse cheveux démêlants. Pourquoi j'ai parlé en italien ? Pourquoi j'ai fait un accent italien, j'ai pas compris. Brosse démêlante pour femmes, hommes et enfants, ne tire pas. Brosse brushing cheveux mouillés, bouclés et lisses. Brosse à spirale unique. Donc je l'ai payé 10,99€, mais franchement elle est géniale. Je ne passerai plus jamais à une brosse traditionnelle. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est un miracle cette brosse pour moi. Ensuite, on va parler de ça. Une merveille, vraiment un coup de cœur, un amour pour ce parfum. Vraiment, je l'ai acheté il y a quelques semaines maintenant, mais vraiment j'étais obligée de vous en parler. Je n'ai jamais senti un parfum comme ça.
Vraiment les gars, c'est mon parfum préféré. Je le dis, je m'avance, voilà. Peut-être que vous allez me taper sur les doigts parce que je vous ai dit que c'était le J'adore et le Manifesto. Mais alors lui là, il est venu se positionné à la première place du classement les gars, vraiment. Il y a tout ce que j'aime dans ce parfum, toutes les odeurs que j'aime dans ce monde se trouvent dans ce parfum. Je n'ai jamais vu ça, je vous jure. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a comme odeur. En note de tête, il y a de l'essence de Neroli, essence de mandarine. Ensuite, en note de cœur, il y a de l'absolu de fleur d'oranger du Maroc, de l'essence de lavande de France, de l'absolu de jasmin samba. Donc déjà, là, voilà. Ensuite, en note de fond, il y a des extraits de vanille de Madagascar, de l'essence de cèdre, de l'accord ambre gris et du musc. Vraiment, toutes les odeurs que j'aime. Je vous ai dit, je suis une fanatique de fleurs d'oranger, de lavande, de jasmin, de vanille, de noix de coco, les trucs comme ça. Il y a tout dedans. Il y a tout, toutes les meilleures odeurs de ce monde sont venues se loger dans ce flacon. Les gars, c'est le Libre de Yves Saint Laurent. Je vous ai même pas dit, je vous ai dit ça comme si, voilà, tout le monde le connaissait peut-être pas. Mais c'est un pur bonheur de porter ce parfum. En plus, quand vous le mettez, il y a une odeur. Au fur et à mesure du temps, l'odeur change un petit peu. Je sais pas comment vous expliquer, mais je l'aime. Le flacon est sexy, et joli, et beau, et... J'ai même pas les mots pour ça, là, tellement je l'aime. Ma mamie. On va passer à tout ce qui est bouffe. Vraiment ce côté manger, boire, tout ça, tout ce qu'on aime dans la vie de toute façon. Et je vais commencer par vous parler de ça. Ça c'est ma voisine encore, franchement, elle m'a dit ouais vas-y c'est trop bon et tout, il faut trop que tu goûtes tout ça là, là. Mais j'avais pas goûté parce que franchement je venais de bouffer quand je suis partie boire un café chez elle. Je me suis dit ouais t'inquiète pas, je goûterai. Mais pourquoi? Pourquoi elle m'a envoyé goûter ça? Mais c'est un truc de ouf, je n'ai jamais mangé de madeleine aussi bonne de ma vie. Déjà moi j'adore les madeleines, c'est vraiment le genre de petit gâteau là, mouah. Comme ça, avec le petit thé, le petit chocolat chaud, le petit café. Tout ce que vous voulez, j'adore. J'aime le chocolat. Grande fanatique de chocolat, franchement. Ma plus grande passion dans la vie est le chocolat. Que ça soit noir, blanc, gris, violet, tout ce que vous voulez. J'aime le chocolat. Et là, quand je lui ai dit, je lui ai dit, ah, c'est un peu comme les bonnes mamans. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, bonne maman? Elle m'a dit, je crois pas, non. C'est pas bonne maman. Ça, il y a une coque de chocolat bien épaisse et tout. Je me suis dit, elle, elle est en train de me vendre du rêve. On va goûter ça. Il y a 8 madeleines à l'intérieur. Ça coûte quasiment 5 balles. C'est de la maison Colibri. Mais franchement, rien à foutre. Rien à foutre. Tellement c'est bon. Vous avez celle-ci, la madeleine coque chocolat au lait noisette. Mais bref. Vous avez les originales avec chocolat noir, vous avez les basiques sans rien du tout, juste la madeleine. Et vous avez des madeleines à la pistache que mon chéri a pris et qu'il adore parce qu'il adore la pistache. Donc c'est de la maison Colibri. À celui qui aimera en prendre une deuxième, voire une troisième, à celle qui n'arrêtera pas de lorgner la dernière du paquet, à celui qui aurait bien terminé son déjeuner par une touche sucrée, ou encore à celle qui finit pour ne pas gâcher. Chez Maison Colibri, nous pensons qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir au moins de temps en temps. Ouais c'est sûr, parce que franchement vu le tarot, c'est vraiment de temps en temps. Vraiment j'ai gardé le paquet pour vous montrer. J'en ai encore hein. C'est juste j'ai la flemme de me lever. Mais vraiment c'est un truc de ouf. Donc c'est fabriqué en France. Il y en a 8 dedans, c'est sans huile de palme et sans colorant. Donc voilà. Donc voilà, franchement c'est vrai que c'est rush, mais on paye la qualité. Et vraiment quand elle m'a dit c'est pas du tout la même chose que les bonnes mamans, elle a bien raison, parce que j'ai acheté les bonnes mamans et j'ai acheté cela. Les bonnes mamans à côté, frère, madeleine du pauvre quoi. Excusez-moi. Non mais vraiment c'est un truc de ouf. Elles sont super bonnes. Franchement n'hésitez pas à les goûter. En plus il y a plusieurs goûts différents. Comme as. Super bon. Ensuite il me reste quelques petits trucs. Après c'est fini, c'est rapide. On va parler de thé. Ça là. Ça là. Les gars, les meilleurs thés que j'ai goûté de ma vie, avec les Kousmiti bien sûr. Mais vraiment je n'ai jamais goûté de thé aussi bon de ma vie. C'est un truc de ouf. Alors moi je suis partie au Palais d'été. C'est une boutique qui a ouvert juste en face de chez moi. Et j'étais jamais rentrée dedans. Je vous en ai parlé dans un vlog, mais honnêtement le vlog je l'ai pas sorti, parce que vlog de la catastrophe. En gros il y a un Palais d'été qui a ouvert juste en face de chez moi. Et c'est vrai que ça, à chaque fois ça m'a attiré. Mais je me suis dit bon vas-y c'est pas grave, un jour je rentrerai dedans, on verra ce qu'ils proposent. Et j'étais rentrée dedans une fois pour acheter bah du coup du matcha pour ma meilleure amie. Mais j'avais même pas fait attention au thé. C'était vraiment très rapide et tout. En plus comme c'était vraiment les périodes où j'étais en crise de ouf, je ne rentrais pas dans les magasins. Déjà aller acheter du matcha pour elle, ça a été une épreuve surhumaine. Voilà. Et la dernière fois je suis rentrée, je me suis dit vas-y
pouvoir regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Alors déjà, ils ont des paquets énormes de thé. Elle est là, elle vient, tu lui demandes de sentir. Déjà, elle te pose. Bref, déjà, c'est toute une expérience. Vous rentrez dedans et tout, elle va vous poser un questionnaire. Qu'est-ce que vous aimez? Vous êtes plutôt thé noir, thé vert, thé machin, thé truc. Est-ce que vous aimez ci, ça, ça? C'est quoi votre truc préféré? Nanana. Moi, je lui ai dit, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu soit aux agrumes, soit avec de la pêche. Un thé vert, je suis plus thé vert qu'autre chose, mais je lui ai dit voilà, elle m'a dit est-ce que vous aimez les trucs frais, pas frais, je suis tout, mais il faut que ça soit un peu exotique, un peu ce côté un peu rebeu, vous voyez, avec de la fleur d'oranger, avec du jasmin et tout, bon bref, j'ai sorti tous les trucs du monde, et elle m'a dit ok, bon bah je vais vous faire sentir de thé. Donc elle se ramène avec un gros pot à thé, genre magnifique, c'est un peu la même chose que lui, mais genre comme as. Et en fait elle l'ouvre et avec un petit éventail japonais, chinois, je sais pas ce que c'est comme éventail, en fait elle vous fait comme ça et vous sentez l'odeur du thé, mais mamma mia comment ça sent bon. Donc du coup j'ai fini par craquer pour ces deux thés là et vous avez une carte de fidélité, pourquoi j'arrive pas à prononcer ce mot, de fidélité. Voilà, et en gros vous avez des trucs qui vous sont offerts pour votre anniversaire et tout. Du coup en fait, à ce que j'ai compris, si vous achetez cette boîte-ci, vous pouvez aller juste la recharger et non pas racheter à chaque fois la boîte et tout. Donc si vous achetez la boîte, en boîte pardon, le thé en boîte, n'hésitez pas à garder ça. Moi celui-là j'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas en boîte comme ça. Donc en gros, celui-ci c'est le thé du Hammam, c'est du thé vert, fleurs et fruits rouges. Donc celui-ci, inspiré d'une recette traditionnelle turque, un thé vert gourmand dont le parfum évoque la date verte, la fleur d'oranger, la rose et les fruits rouges. Franchement, ils sont super bons ce thé. Celui-ci se boit tant chaud que froid. Et je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. C'est vraiment genre... vous voyez tout, genre c'est pas les petites conneries là quand on vous dit qu'il y a de la rose, enfin des fleurs de rose dedans, c'est pas des blagues, genre elles sont là, genre vraiment il y a des fleurs et tout dedans, c'est un truc d'ouf, j'adore. J'adore. L'odeur, pareil, ça sent tellement bon. Ensuite, je vous mettrai les prix au fur et à mesure parce que là, je les ai pas sous la main. Ensuite, du coup, il y a celui-ci. Celui-ci, c'est le Exotic Party. Donc, celui-ci se déguste glacé ou chaud, mais c'est vrai que glacé, comme ça, une pépite. Donc, il est à base de thé blanc de Chine, de la banane, de la noix de coco, de l'ananas, du caroube, de la caroube, je sais pas ce que c'est, de la feuille de mûrier, de l'hibiscus blanc, des baies roses, des arômes de pétales, de fleurs, donc de la rose et du tournesol. Donc, il y a écrit ce thé blanc aux fruits exotiques gorgés de soleil est à la fois fruité et gourmand, délicieux, glacé. Vraiment, c'est vraiment... hyper bon quand c'est froid. Et du coup pareil à l'intérieur, c'est un truc de ouf. Il y a même des morceaux de banane, les gars, genre oh l'odeur. Je sais pas si vous allez voir, je pense que vous verrez, genre il y a plein de morceaux, il y a des morceaux de banane et tout, genre vraiment c'est pas des blagues. Oh j'ai envie de le boire, ça y est, genre il y a des morceaux de banane, genre oh. Genre ça sent le bubble gum, vraiment, genre je sais pas comment vous expliquer, mais ça sent tellement bon, c'est super bon. J'adore, franchement j'adore. Et bah c'est tout. C'est tout, on a fini. C'était un peu long, hein, franchement, mais c'est tout ce que je voulais vous montrer, je voulais rien vous montrer d'autre. De toute façon, comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose. Il y avait surtout des nouveautés, mais franchement, j'utilise pas mal les mêmes produits et tout. J'essaie vraiment de les terminer avant de racheter quoi que ce soit. Mais quand l'occasion se présente, bien sûr que je suis une consommatrice excellente pour l'économie française parce que j'achète beaucoup, vous voyez. Donc franchement, comme je vous ai dit, il n'y avait pas énormément de choses, mais il y a quelques nouveautés que je voulais vraiment vous parler parce que c'est des pépites. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi c'est quoi vous là en ce moment, vos produits préférés, que ce soit en maquillage, en soins, parce que les soins ces derniers temps, ça m'attire de ouf. Ou même au niveau bouffe, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de ouf de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo si ça vous fait plaisir, moi ça m'aide de ouf au niveau de l'algorithme, donc franchement c'est super gentil si vous le faites. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est super important, il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17h sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir, je suis très présente dessus, je réponds à tout le monde si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.